finale de Parité et je suis la candidate numéro 5. La candidate numéro 5, Meriata Riaria. Elle a choisi le bougainvillier. La robe a été faite par Alberto V. Elle est actuellement conseillère clientèle à la Polynésienne des Eaux. Elle s'inquiète du réchauffement planétaire et de l'environnement. Si elle avait une baguette magique, elle donnerait de l'eau potable à tous les villages du monde entier. Lorsqu'elle était petite fille, elle rêvait d'apprendre toutes les langues. Et plus tard, son rêve, c'est d'être enseignante au lycée.
allons démarrer avec celle qui a été sélectionnée, souvenez-vous, lors du gala il y a quelques semaines. Elle a été choisie par le public et c'est celle qu'on va présenter et proposer en premier. Candidate numéro 5. La candidate numéro 5, c'est celle qui a été sélectionnée dans la soirée de gala il y a quelques semaines. Alors, une question de la candidate numéro 6. Si demain, en plus de ton titre de Miss Tahiti, tu gagnais au loto, que ferais-tu de tes gains? Je n'oublierai pas d'être reconnaissante envers ma famille et tout ce que j'aime. Je garderai la tête sur les épaules et je vivrai l'instant présent. Ma devise, carpe diem. Merci. On va démarrer, je te laisse faire mon Carlos. Miss Tahiti 2013. Miss Tahiti 2013. Ali, Ali, mai tokia e tokia ia, oi, atu mai. Il ne reste plus que deux candidates. La candidate numéro 5, Nerieta Riaria, ou la numéro 7, Maeva Simona. Popo, popo Maya, popo Maya. Miss Tahiti 2013, la candidate numéro 5, Nerieta Riaria. Et la fin de rien, Nerieta Riaria. Ce qui veut dire que notre Miss première Tahiti. Dauphine est la candidate numéro 7, Maeva Simona. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew there would become one right away. Oh, right away. At first sight I felt the energy of some rhythm. I saw the life inside. So shine, très heureuse et je viens de voir la suite.